Bonjour, je suis Olivier Malrieux, je suis docteur en pharmacie, je suis surtout spécialiste en nutrition et en neurochimie et je suis surtout le coach des champions sportifs et des célébrités. Je coach les gens à la fois au niveau mental, au niveau de l'hypnose et je leur permets d'atteindre leur objectif au niveau alimentaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, trop souvent, on a l'impression que faire des régimes, ben, ça va permettre de résoudre le problème. Non, ça va permettre de contourner le problème pour rentrer dans un pantalon ou dans une jupe. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est durablement. Et là, les régimes ne fonctionnent pas. Les régimes ne fonctionnent pas pour plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas citer les noms de tous les régimes qui existent, vous les connaissez tous. Il y en a plein. Tous les ans, il y en a cinq nouveaux qui sortent parce qu'il faut faire de l'argent, il faut faire des livres, il faut faire des magazines, vendre des magazines. Mais ça ne marche pas parce qu'en fait, à chaque fois, on crée donc une rétention. On crée, on va dire, une frustration. Et notre organisme, eh ben, va enregistrer cette baisse de calories. Quelle qu'elle soit glucidique, lipidique, protéique, puisqu'on a tous les exemples possibles de régime. Et en fait, l'organisme, il va attendre qu'une seule occasion, c'est de pouvoir restocker dès qu'il le pourra. Il a retenu famine, et bien famine, on va faire des provisions, on va faire des stocks, et à un moment donné, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois et demi, vous n'avez plus aucun résultat. Vous savez que je suis un spécialiste de la neurochimie. J'utilise beaucoup les neurosciences dans mes protocoles d'hypnose et je peux vous dire, et je vais vous faire rire, que notre cerveau, il a plusieurs étages. En fait, nous avons le rez-de-chaussée, nous avons l'étage au-dessus. En haut, vous avez au premier étage le cerveau gauche, le cortical, celui qui réfléchit, celui qui a besoin de chiffres. En fait, vous vous pesez tous les matins pour savoir si vous avez perdu 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes, si vous êtes à 82, 81, 80, yes, je suis content, 81, 80. Et à côté, la porte de droite, c'est quoi? C'est le subconscient. Le subconscient, lui, il a besoin d'images. Donc, vous vous voyez avec une magnifique silhouette sur la plage. Donc, vous êtes en maillot de bain, vous êtes magnifique, vous êtes bronzé et vous voyez avec l'hypnose, la visualisation, ce que vous êtes en train de créer dans votre représentation mentale. Et c'est vrai que vous allez pouvoir avoir quelques résultats. Le seul problème, c'est que ce cerveau subconscient, l'automatique, et le cerveau cortical, ils ont oublié les deux collègues du rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, à gauche, vous avez le cervelet, celui qui mastique, celui qui fait les mouvements, celui qui fait que je bouge les bras, que je bouge la tête. Il compte les mouvements. En fait, il est frustré parce que depuis que vous faites le régime, vous avez supprimé un certain nombre d'aliments. Vous pouvez même des fois avoir compensé des aliments par du liquide. Et en fait, vous êtes en train de faire quoi? Ben de faire en sorte d'avoir supprimé peut-être 20 à 30% des mouvements de la mâchoire. Donc, il va être frustré. Parce qu'il compte. C'est un cerveau qui compte, qui analyse et qui voit qu'il ne lui manque, on va dire, un certain nombre de mastications, de coups de mâchoire. À côté, rez-de-chaussée à droite, vous avez qui? Vous avez le cerveau émotionnel. Et ils vont se mettre tous les deux la main dans la main. Vous avez donc le cerveau à gauche, donc le cervelet, qui va dire, dis donc, cerveau émotionnel, tu pourrais pas nous faire un petit coup de pas bien, ou un petit coup d'émotion, de frustration? Et tac! Le cerveau droit, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, le petit cerveau émotionnel, eh bien, il va faire monter une sensation de pas bien. Tout d'un coup, vous avez une angoisse, une anxiété. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la calmer? Eh bien, vous allez vous ruer sur le frigo. Vous allez vous ruer sur la tablette de chocolat. Pourtant, vous vous étiez promis depuis 10 jours, 15 jours, 20 jours que vous avez commencé à avoir quelques résultats, quand ne vous y reprendrez pas, que vous êtes un autre homme, une nouvelle femme, et qu'en fait, c'est terminé maintenant. Vous avez compris et vous êtes en train de passer à un autre niveau. Eh oui, c'est ne pas comprendre le fonctionnement du cerveau. Du coup, vous allez vous jeter sur la plaquette de chocolat. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que, du coup, votre cerveau global et votre corps va profiter de cette faille pour stocker. Pour stocker, puisque vous avez été en frustration, en famine depuis 2 ou 3 semaines, et en fait, ce n'est pas un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, c'est la plaquette et des fois, c'est 2 plaques de chocolat. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme je coach des célébrités qui ont besoin d'être dans leur costume le jour J, d'être moins 8 kilos
sur le ring de boxe, parce que sinon ils ne peuvent pas combattre pour le championnat d'Europe ou le championnat du monde, d'être dans la magnifique robe moulante pour monter les marches de l'escalier à cannes, que j'ai conçu une méthode qui marche, une méthode basée un petit peu sur ce qui se passe à Hollywood. Et je peux vous dire que j'en ai fait bénéficier des centaines de clients dans mon cabinet que j'ai accompagné quand j'étais sur Bordeaux. Maintenant je suis à l'étranger et je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai des gens qui se déplacent. J'ai des célébrités qui se déplacent pour prendre l'avion, pour me retrouver, parce qu'elles savent que ça marche. Et surtout, que ce sont des résultats durables. Parce que le bouche à oreille, dans ce milieu-là, c'est incroyable. Alors, ce que nous avons fait avec Alex Michel de Mental Waves, c'est que nous avons créé des séances spécifiques d'infra-hypnose. Infra-hypnose, parce que d'abord, infra, c'est d'aller en dessous du seuil normal de l'oreille pour faire passer des messages subliminaux qui, premièrement, vont pouvoir atteindre vraiment le subconscient, produire des suggestions qui vont se manifester durablement et dans le temps. Avec toutes les techniques qu'Alex Michel maîtrise parfaitement, les sons psychoacoustiques, les sons isochrones, les fréquences binaurales, et surtout, toutes les musiques de fréquences particulières pour atteindre les niveaux alpha d'hypnose, voire d'hypnose profonde avec les états θ, cela a permis de donner une puissance à mes protocoles. Je peux vous dire que ce que je faisais avant, c'était déjà de la dynamite. Là, c'est de la méga dynamite, c'est de la TNT, parce que ce que Alex Michel apporte à ses séances, c'est absolument incroyable. C'est pour ça que c'est un véritable cadeau que nous vous faisons, c'est de bénéficier de tout l'apport que nous avons donné à nos stars, célébrités et champions sportifs pour permettre chez vous, dans le confort de votre domicile, de pouvoir faire ces séances qui vont vous permettre de passer à un autre niveau et d'atteindre le poids que vous souhaitez, votre silhouette de rêve, et mener une nouvelle vie. À bientôt.